Est à la maison. Moi, je suis certaine que ton père pense à toi tous les jours. Sans doute, mais là, ça fait plus d'un mois qu'il est parti. Il me manque. Et tu sais quand il va rentrer? Non, avec son métier, on ne sait jamais vraiment. Oh. Bon, allez, ce soir, on oublie tous nos soucis. Ce soir, c'est... soirée à la cabane entre filles. Oui! Oh, ça va être super. Qui apporte quoi? Je m'occupe des sacs de couchage, des coussins et des bougies. Moi, je rapporte des gris-gris. Des gris-gris? Pourquoi faire? Ben, c'est pour éloigner les esprits de la forêt, on sait jamais. Parfait, je m'occupe des sandwichs. Je connais une recette délicieuse. On se retrouve chez moi à 7h? Oui! Salut les filles! Alors vous allez dormir en forêt à ce qui paraît? Pas trop la pétoche, la binocle? Dis donc, Rico, en parlant de pétoche, c'est pas toi qui te cachais sous ton bureau pour ne pas aller au tableau? Ouais, n'importe quoi. Non, mais c'est bon, c'est juste que je m'inquiète pour vous, c'est tout. Dormir à la belle étoile, c'est pas un truc de fille. Mais quel macho! Même quand tu veux être gentil, tu ne peux pas t'empêcher de dire une bêtise. Je me demande si cette soirée ne pourrait pas nous aider à éclaircir deux ou trois petites choses. Comme savoir enfin si Martine a des sentiments pour Rico, par exemple. Et pour ça, rien de tel qu'un... Action Vérité! Voilà, et c'est parti pour les sandwichs. Ah, tu veux sortir? C'est ça, mon pâte à pouf? Attends, je vais t'ouvrir. Toi aussi, mon petit moustache. C'est bon, je peux faire mes sandwichs. Martine, tu n'aurais pas vu mes clés de voiture par hasard? Je dois emmener Jean à sa compétition de judo. Maman, on est déjà en retard. Oui, mais quand on va arriver, tu vas gagner tous tes matchs par Nippon. Oui, Alain, on dit Nippon, pas Nippon. Et ce que tu fais là, c'est du karaté. Nippon! Maman, tes clés, elles sont dans ta main. Ah oui, cette soirée à la cabane me stresse un peu. Mais bon, je vais être une maman confiante et cool. Passe une bonne soirée, ma chérie. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Martine! Martine! Oh. Papa! Surprise! Papa est rentré! Oh mon chéri, c'est trop bête. Tu aurais dû me dire que tu revenais aujourd'hui. Avec la compétition de Jean, on risque de rentrer tard. Ah... Oui, d'ailleurs, faut y aller, là. Ne vous en faites pas. Et puis, Martine va rester avec moi. Hein, Martine? Bien sûr, papa, mais on a... Allez, viens, je vais te raconter mon voyage. Et c'est là que je me suis perdu dans les montagnes. Heureusement, j'ai retrouvé mon chemin en suivant l'étoile du berger. Ça devait être incroyable. Tu sais, ce soir... Mais, tu sais, le plus beau moment, c'était sans doute mon bain avec les grands phoques. Ah oui! Peut-être que tu devrais me le raconter un autre jour, parce que là... Tu aurais dû les voir. Je me sentais si petit à côté d'eux. Ça doit être le travail. J'en ai pas pour longtemps. Allez, c'est reparti pour les sandwichs. Oh non! Ça y est, t'es prête? On y va? Bah, en fait, c'est que, voilà, j'ai pas encore tout à fait fini, mais...
Salut les filles, vous dînez avec nous ce soir? C'est moi qui cuisine. Ah, vous êtes revenues? On avait un peu prévu autre chose en fait. Oui, une soirée à la cabane entre filles. Et Martine devait venir avec vous? Oui. Mais pourquoi tu ne m'as rien dit, ma chérie? J'ai essayé, papa. Mais t'avais tellement de choses à me raconter. Mais si, vas-y, Martine. Pas question que tu rates une occasion de t'amuser à cause de moi. C'est ma faute, moi et mes surprises. Oh là là, je peux pas lui faire ça. Ça lui ferait trop de peine. Mais on devait jouer à Action... Oula, une grosse abeille. T'imagines si elle l'avait avalée? Je lui ai sauvé la vie. Hein. Une abeille. Bon, allez à la cabane sans moi. Vous me raconterez, d'accord? Et si tu proposais à ton père de venir avec nous? Mais oui! Merci, Julie. C'est ça la bonne idée. Je vais faire d'une pierre deux coups. Je reviens tout de suite. Maintenant, c'est vraiment raté. Elle ne dira jamais rien avec son père. Et encore moins ses sentiments pour Rico. Oh, c'est vrai, t'as raison. Hey, on n'aura qu'à attendre qu'il s'endorme. Avec le décalage horaire, il va pas faire long feu. Et c'est parti pour les sandwichs. On est parti? On va bien s'amuser. Ça, je vous le garantis. Oui, oui. Mais pour l'instant, on n'a rien à manger. Quoi? Aucun souci, Martine. On va tous s'y mettre. Pas vrai, les filles? Moi aussi. Je pars loin, je sais. Et trop souvent. Mais je pense à vous tout le temps. Et moi, je suis triste quand tu pars aussi longtemps. D'accord. Je n'accepterai plus d'aussi longues missions à l'étranger. Je te le promets. Les dragons de Komodo. Ces énormes lézards qu'on ne trouve que dans les archipels d'Indonésie cernaient ma tante. Et ils étaient vraiment très affamés. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Ben, à vrai dire, j'avais à peu près aussi faim qu'eux, mais en sacrifiant mon dernier paquet de gâteaux, j'ai réussi à les éloigner. Oh là là. Oh, excusez-moi, je ne veux pas monopoliser la parole. Vous aviez sans doute prévu quelque chose? Oh non, rien du tout. C'est plutôt nous qui nous excusons. Vous devez être très fatigués par votre voyage. Oui, c'est vrai, j'accuse un peu le coup. Mais ça va aller. Et si on se racontait des histoires qui font peur? Moi, j'en connais une qui fait super peur. Ça se passe dans un château. Avec un fantôme qui porte un drap blanc. Tout blanc, plus blanc que blanc. Et il passait son temps à dormir. Ben, on va jouer à autre chose maintenant. Action ou vérité? Quoi? Et les histoires qui font peur? Non, on s'en fiche de ça. Alors, qui commence? Martine. Action ou vérité? Action. Action ou vérité? Action? Action ou vérité? Action. Action ou vérité? Action! Bon, il y en a marre! Tu dis toujours action! Bah oui, c'est quand même plus rigolo, non? Non, tu n'as plus le choix maintenant. Bon, bah alors... Vérité! Est-ce que tu as des sentiments pour un garçon? Ah non, t'as plus le choix! Rappelle-toi, la vérité, toute la vérité, rien que la vérité! Vous avez entendu ces bruits bizarres? Bah non, j'ai rien entendu. Et toi? Rien de rien. Elle essaie juste de nous distraire. Chut! Arrêtez! Je vous dis que ça vient de là. Oh, c'était quoi ça? Aucune idée. Si c'est un esprit de la forêt, ça devrait aller. Par contre, j'ai pas de gris-gris contre les loups-garous, les gobelins des bois et les trolls à grosses verrues. Oh, les trolls à grosse verrue, bah... Papa, réveille-toi.
Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être des sangliers. Il y en a plein dans cette forêt. Des sangliers? Et si on leur lançait ce qu'ils sont venus chercher? Comme pour tes dragons de Komodo? Ah, ça pourrait marcher. Mais ça mange quoi, un sanglier? Oh, des châtaignes? Mais bravo, bien joué, la pâte à pouf. Ouille. Ça fait ouille, les sangliers? Je pense que ce n'est pas un sanglier. C'est un petit malin. Sors de là! Je t'ai reconnu, Rico! Rico? Qu'est-ce que je disais? Vous avez eu la pétoche! Très drôle! On aurait pu te faire mal, enfin! C'est vrai que ce n'était pas très malin de ta part, jeune homme. Bah, moi, j'ai trouvé ça plutôt drôle. Un peu comme le jeu qu'on était en train de faire. Ah oui? Quel jeu? Action ou vérité. D'ailleurs, Martine allait répondre à une question super intéressante. Oui, c'était, je crois, est-ce qu'elle a des sentiments pour un garçon? Ah oui? Je l'avoue, j'éprouve des sentiments pour un garçon. Oh! Et c'est... mon papa. Oh, merci Martine. Le papa le plus extraordinaire. Moi aussi, je t'aime très fort. Rico, je vais te ramener à la maison pour te mettre un peu de pommade. Sinon, cette châtaigne va finir en mauvaise bosse. Moi aussi, je viens. Je voudrais pas rater une minute du temps précieux que je peux passer avec mon papa. Comme vous voudrez, nous, on reste ici cette nuit. Hein, Claire? Oui. Parce que nous, on n'est pas des poules mouillées, non. Dis, c'est vrai que t'as eu peur de me faire mal tout à l'heure? Bien sûr. Mais bon, si ça peut t'aider à te remettre les idées en place...